Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. 14 milliards de francs CFA pour le projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque de Zaktouli et plus de 30 milliards pour la construction du réseau de diffusion de la télévision numérique terrestre. Décision prise aujourd'hui en Conseil des ministres. Les syndicats ont organisé aujourd'hui des marches suivies de meetings dans le cadre de la grève générale lancée pour manifester contre la vie chère et la mise en œuvre du continuum. Bienvenue au journal. Le Conseil des ministres de ce jour a examiné plusieurs dossiers relatifs à la sécurité alimentaire, à l'environnement, à la protection de l'enfant et à l'énergie. Des décrets et projets de loi ont été examinés par le Conseil et des décisions prises afin de renforcer la capacité de production alimentaire du Burkina et pour mieux protéger l'enfant burkinabé. Les questions de protection de la faune et de la flore ont été aussi évoquées. Toboum Evelyne Dabiré. À ce 36e Conseil des ministres de l'année 2014, le gouvernement a adopté un document de politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce document décline un certain nombre d'activités à mener de 2014 à 2025 pour atteindre cette sécurité alimentaire. Les axes qui permettent d'augmenter la disponibilité alimentaire pour les citoyens, un axe qui permet d'assurer l'accessibilité financière et physique des citoyens à une alimentation, puisque l'alimentation peut être disponible, mais les gens peuvent ne pas avoir les ressources financières pour les acheter. Il faut aussi renforcer les capacités, et ça c'est un axe, les capacités de notre État à anticiper pour gérer les crises alimentaires. Puis le Conseil a examiné trois textes d'avant-projet de loi et deux décrets, tous relatifs à la protection de la faune et de la flore et à l'augmentation du nombre de parcs nationaux. Ainsi donc les parcs nationaux vont passer à trois. Il y aura le parc national d'Arly, il y a le parc national, le parc W et il y a le parc national de Pau qu'on appelle parc Kabore-Tambi. Donc ce sont des réserves totales ou des réserves partielles. Lorsqu'on parle de réserves totales, cela veut dire que toute activité humaine est interdite, toute chasse est interdite. On protège donc des espèces et leur habitat. Lorsqu'on parle de réserves partielles, cela veut dire que la chasse est autorisée mais pour certaines espèces, mais pas toutes les espèces. L'objet c'est d'augmenter le nombre de nos zones, de nos aires protégées, classées totalement ou partiellement. Ça va nous permettre donc de mieux conserver notre écosystème, de mieux conserver la biodiversité et de mieux protéger nos ressources naturelles et fauniques. Trois autres dossiers concernant cette fois le département de l'énergie ont été étudiés par le Conseil en vue d'augmenter la capacité de la production énergétique au Burkina. Le premier qui concerne la construction de la centrale photovoltaïque de Zaktouli sera bientôt une réalité et bénéficie du financement de l'Union européenne. Le deuxième dossier important est relatif aussi à la sélection de quatre entreprises pour construire 67,5 MW crêtes dans les localités de Kodeni, de Pa, de Zaktouli, de la Pagdoa et de Zano. Le troisième dossier a concerné le Bumigem parce qu'il y a un contrat plan qui a été signé et qui couvre la période 2015-2019 pour le Bumigem pour lui permettre donc de jouer son rôle régalien au niveau de la recherche. L'inauguration de la cité universitaire de Bobo-Dioulasso, prévue pour le jeudi 6 novembre prochain, sous le très haut patronage du président Blaise Compaoré, verra aussi le lancement d'une autre extension de cette cité. La cité contient deux pavillons de 1800 lits au total, dont un pavillon est strictement réservé aux jeunes filles. Et naturellement, contient un restaurant universitaire d'une capacité de 400 places assises, contient aussi tout ce qui agrémente le séjour des étudiants, donc un foyer, des buanderies pour que les étudiants puissent effectivement laver leur linge, des parkings aussi de deux roues comme des parkings de véhicules. Et toute la cité est clôturée avec trois portiques d'entrée. La cité a prévu non seulement une infirmerie, mais également tout un système de sport. Et selon le ministre des Enseignements, des cités similaires seront construites aussi à Ouagadougou et à Koudougou. La question de la protection de l'enfant était aussi à l'ordre du jour. Le ministère de tutelle a fait le point au Conseil en précisant les avancées des activités menées dans ce cadre, de même que les difficultés rencontrées. Nous avons aussi fait le constat que entre les textes internationaux, les accords donc, et les textes nationaux, il y a souvent des divergences, des incohérences.
mais aussi par rapport à ce qui est écrit dans nos documents au niveau des textes nationaux, l'attitude, la pratique des populations est loin de répondre en tout cas en considération de ces textes-là. Enfin, il faut des recommandations. Nous avons mis l'accent sur la nécessité d'avoir un partenariat entre les différents acteurs pour pouvoir mieux prendre en charge cette question, cette problématique de la protection de l'enfance, mais aussi revoir et renforcer les systèmes de coordination. À l'unanimité des votants, l'Assemblée nationale a adopté hier un projet de loi organique portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique et social, la CES. Il s'agit pour le gouvernement de rendre les actions du CES plus efficaces et plus visibles. La loi adoptée confère à l'institution de nouvelles prérogatives telles que l'autonomie de sa gestion financière, de même qu'elle fait passer le nombre de conseillers de 90 à 92. Reportage Sougri Norman Ibrahim Guigma. À l'ouverture de la plénière, une information issue de la conférence des présidents tenue un peu plus tôt. La plénière du jeudi 30 octobre 2014, initialement prévue à 16h, est ramenée à 10h le même jour. Puis, le président de l'Assemblée nationale appelle à discussion le seul dossier de la soirée. Il s'agit du projet de loi organique portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique et social, CES. Les commissions en charge du dossier exposent les motifs et appellent la plénière à adopter le dit projet de loi. Ce sera chose faite et à l'unanimité des 88 votants du jour. Il s'agit fondamentalement de nouvelles dispositions qui vont permettre au Conseil économique et social de prendre véritablement corps dans l'armature institutionnelle de notre pays, qui vont lui permettre d'être réactif par rapport aux questions émergentes, aux questions d'actualité qui assaillent notre pays, mais également qui vont lui permettre aussi d'avoir de la visibilité, puisque vous constaterez par exemple que le nombre de conseillers a été élargi. Le CES, désormais autonome dans sa gestion financière, ses conseillers jusque-là au nombre de 90 passent à 92. Le gouvernement, venu défendre le dossier, estime que ce projet de loi va permettre d'accroître l'efficacité et la visibilité de la contribution de cette institution au développement durable et à la bonne gouvernance. En rappel, le Conseil économique et social est un organe consultatif chargé de donner son avis sur des questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le président du FASO ou le gouvernement. Le CES a bouclé aujourd'hui sa première session extraordinaire de l'année. Elle a permis aux conseillers d'évaluer les actions de l'institution puisque la rencontre était consacrée à l'évaluation organisationnelle et institutionnelle. D'autre part, elle s'est penchée sur l'évaluation des avis et recommandations du CES dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement. Reportage Lazare Bouya. Cette première session extraordinaire de l'année 2014 du Conseil économique et social était entièrement consacré à l'évaluation de l'institution. Pendant deux semaines, les 90 conseillers du Conseil économique et social CES se sont penchés sur les résultats d'une étude menée sur la contribution de l'institution à la gouvernance économique et sociale et au renforcement de la démocratie au Burkina Faso. Pour y arriver, les conseillers ont bénéficié de plusieurs communications portant sur des thèmes variés avant de procéder à un examen approfondi de l'institution. Aussi ont-ils fait une analyse critique de ses missions, de son fonctionnement et une évaluation de la mise en œuvre des avis et recommandations du CES. Quand on analyse les résultats de l'enquête, on se rend compte que ce soit le gouvernement, que ce soit les partenaires au développement, que ce soit les organismes qui ont envoyé des représentants au Conseil économique et social, tous disent que le rôle et la place du Conseil économique et social est unique, parce que justement nous représentons 32 groupes sociaux professionnels du pays, c'est-à-dire les différentes composantes de notre société. Et c'est le seul cadre institutionnel qui existe dans ce pays-là pour effectivement permettre que les leaders et les mandataires de ces couches sociales-là puissent se parler et échanger sur les problèmes cruciaux de notre pays. De la conclusion là aussi, c'est de dire qu'on ne peut pas se permettre de supprimer cette institution-là. Un des troisièmes résultats qui est intéressant, tous les sondés, tous ceux qui ont été enquêtés, organismes comme individus, ont reconnu la qualité des avis et recommandations du Conseil économique et social. Des travaux en plénière et en commission ont permis aux conseillers d'aboutir à un certain nombre de recommandations et de suggestions en vue d'accompagner le CES
pour une contribution plus décisive au processus de la gouvernance économique et sociale au Burkina Faso. À présent, ce communiqué, le mardi 28 octobre 2014, à l'appel du chef de file de l'opposition politique CEFOP, des manifestations de protestation contre le projet de loi portant modification de la Constitution introduit par le gouvernement à l'Assemblée nationale ont été organisées à travers le pays. Le gouvernement prend acte des appels du CEFOP à des comportements républicains à l'occasion de ces activités, mais déplore les troubles qui ont entaché la fin des manifestations dans certaines localités. Ces troubles qui sont le fait d'individus et de groupes isolés ont occasionné des dégradations du bien public, obligeant les forces de l'ordre à intervenir. C'est ainsi que des adolescents, dont l'âge varie entre 10 et 15 ans, ont été interpellés par les forces de l'ordre et ont été relâchés en début de soirée du mardi 28 octobre 2014, conformément aux instructions de son Excellence le président du Faso, dont la conviction est que dans une société démocratique, seul le dialogue et le vote départagent les acteurs politiques. Le gouvernement félicite les forces de l'ordre, la police et la gendarmerie pour leur professionnalisme, leur courage et leur sens élevé du devoir. Le gouvernement invite par ailleurs la classe politique et l'ensemble des populations à s'investir davantage dans la sensibilisation des jeunes afin qu'ils fassent preuve de sagesse et de culture citoyenne pour s'inscrire dans le sens de nos traditions de paix et de dialogue. Le gouvernement dément toutes les allégations tendant à dire que des nationalités étrangères opèrent en ce moment parmi nos forces de défense et de sécurité qui inscrivent leurs actions dans le strict cadre de la loi. Le gouvernement appelle les populations au calme, au respect de la différence d'opinion et à privilégier les voies de manifestation démocratique et républicaine. Signé Alain-Edouard Traoré, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Cela dit, depuis le début du mois d'octobre, la coalition contre la vie chère mène une campagne pour une école démocratique et accessible aux enfants burkinabés. Ce matin, les syndicats ont procédé à une marche-meeting pour interpeller le gouvernement sur la situation du système éducatif qu'ils jugent en péril. Reportage à Ouagadougou, Olopoda. C'est une marche de protestation contre les réformes du système éducatif burkinabé. Des réformes jugées catastrophiques selon la coalition contre la vie chère qui a décidé de prendre à bras le corps cette question de l'éducation. En battant le pavé ce matin, la coalition contre la vie chère a voulu donner de la voix et interpeller le gouvernement sur les problèmes qui minent l'école burkinabé. Des problèmes qui se résument entre autres à l'accroissement des effectifs, l'insuffisance des infrastructures et des enseignants, les difficultés sociales liées au système et le taux d'échec élevé. De toute façon, nous avons des institutions qui existent. Nous avons un gouvernement, nous avons des ministères qui sont en charge des enseignements à tous les niveaux. Je crois qu'au niveau de ces différents gouvernements, de ces différents ministères-là, il y a des programmes qui existent mais qui ne nous satisfont pas. Nous avons au niveau de la CCVC des structures, acteurs du monde éducatif, les syndicats. Et je crois que ces syndicats-là ont fait à plusieurs reprises des propositions. Ce que nous souhaitons, c'est que les propositions faites par ces syndicats-là puissent être prises en considération. Une école démocratique et populaire, accessible aux enfants du peuple, c'est tout le sens de cette manifestation qui constitue l'une des activités phares de cette vaste campagne lancée début octobre par la Coalition nationale de lutte contre la vie chère. Et cette bataille pour une éducation de qualité au Burkina Faso devrait, au dire des initiateurs, s'inscrire au registre de la lutte globale pour des meilleures conditions de vie au Burkina. À Bodi Lasso, les travailleurs issus des centrales syndicales ont aussi marqué un arrêt de travail aujourd'hui dans le cadre de la grève lancée pour protester contre la vie chère et la mise en œuvre du continuum. Les syndicats ont exprimé par ce mouvement leur mécontentement suite aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la vie chère et pour l'éducation. Moumouni Baro, reportage. À Bodi Lasso, les travailleurs ont répondu présents à l'appel des centrales syndicales et syndicats autonomes du Burkina Faso pour revendiquer l'amélioration des conditions de vie. Partis de la bourse du travail, les manifestants ont sillonné quelques artères de la ville avant de se rendre au rond-point des Nations situé en plein cœur de la ville de Sia. Là, autorités politiques et administratives, entourées d'un dispositif sécuritaire exceptionnel, ont accueilli les manifestants avant de prendre connaissance du contenu du message de la coordination de la vie chère. Au niveau de la CCVC, les organisations membres, en tant qu'il s'agit de l'éducation comme de la santé, on a estimé effectivement qu'il y a une faillite de l'État, à tout point de vue.
Alors, et nous tenons vraiment effectivement à le faire sortir. Et c'est dans ce sens-là que depuis pratiquement le 11 octobre, il y a une série d'activités que nous avons initiées pour interpeller les autorités. Le premier responsable de la région des Hauts-Bassins n'a pas manqué de souligner que tous les points seront examinés afin d'apporter des solutions idoines. Nous avons la même vision du développement. Et je tiens à vous remercier pour ce que vous faites et que nous prenons en compte. Donc en recevant votre déclaration, je voudrais vous rassurer que nous allons l'examiner. Et je suis rassuré de par la démarche que vous avez prise, que vous êtes toujours engagé dans le dialogue social que vous avez toujours engagé avec le gouvernement. Après la remise de la plateforme revendicative aux autorités, la foule a enfin regagné le point de départ, c'est-à-dire la bourse du travail pour les meetings. Des travailleurs du secteur informel s'informent sur leurs droits et obligations fiscales et la matière et à la matière qui est mieux indiquée pour renforcer leurs capacités que la Direction générale des impôts. Cette formation devrait permettre aux participants de mieux comprendre la fiscalité ainsi que son importance dans l'économie d'un pays. Estelle Judith Assorba. Le secteur informel occupe 70 à 80% de la population active en milieu urbain au Burkina Faso. Si chacun de ces contribuables s'acquitte de ses impôts, cela aurait un boom sur l'économie du pays. Mais à entendre ces agents des impôts, il existe parmi eux des brebis galeuses. Il y a vraiment des difficultés avec eux, difficultés de maîtrise de leur emplacement, difficultés de maîtrise de leurs activités et difficultés parce qu'ils ne veulent pas non plus faire face à l'obligation parce qu'ils ne savent pas à quoi ça sert ces impôts que nous levons. Des difficultés qui devraient trouver solution à cette rencontre. Sur invitation du mouvement des jeunes du secteur informel, ces agents des impôts sensibilisent ces contribuables sur leurs obligations fiscales et sur l'importance des impôts dans l'économie du pays. Les modules portent essentiellement sur deux choses. Tout ce qui peut rassembler la sensibilisation du contribuable du secteur informel qu'ils sont et tout ce qui va concerner éventuellement leurs droits et obligations également. Voilà. Et dans une troisième partie, on va essayer de leur expliquer à quoi servent ces impôts-là que nous levons sur leur secteur. Bon, cette rencontre va faire une éveil de conscience sur la fiscalité. Les gens vont savoir quelle est la position du secteur informel et quels sont les modes de contribution que le secteur informel doit s'adresser à l'économie nationale. Cette rencontre est une première et les initiateurs souhaitent qu'elle se déroule au moins une fois par an avec l'accord de la Direction générale des impôts. Occasion a été belle pour le président du mouvement des jeunes du secteur informel d'offrir 100 kits de masques de protection à la mairie centrale au profit de la Brigade verte. Le ministère des Droits humains et de la promotion civique poursuit au sein des garnisons du Burkina la vulgarisation de la Convention de Genève de 1949, une convention qui porte sur le droit international humanitaire et qui prône la protection des civils en période de guerre. Les sous-officiers du 34e régiment interarmes de Fadangourma ont été invités à se pencher cette semaine sur la contribution des forces armées à la mise en œuvre de ce droit international au Burkina. Reportage Diakalia Ouattara. Le Burkina Faso est beaucoup sollicité dans les opérations de maintien de la paix, des théâtres d'opérations qui recommandent le respect des règles humanitaires. Le Comité interministériel des droits humains initie dans ce sens depuis 2010 des sessions de formation au profit des forces armées nationales, l'objectif étant de renforcer leurs connaissances et leurs savoir-faire en matière de droit international humanitaire. Ces militaires qui se retrouvent sur le front et ici on ne les outille pas aux règles qui sied en la matière, bon, ils risquent de justement nous amener à ce que l'on voudrait éviter, c'est-à-dire la souffrance des populations. Lorsque vous vous mettez en porte-à-faux de ces règles qui désormais gouvernent la guerre, vous vous exposez à des sanctions, notamment dans le cadre de la CPI. Pour cette session, au profit du 34e régiment interarmes de Fadangourma, il sera rappelé à 50 sous-officiers les obligations des forces armées dans la protection des civils, la nécessité du respect du droit international humanitaire dans les opérations de maintien de la paix. Aussi sera-t-il question du droit international pénal et du rôle de la CPI en cas de manquement. Mais c'est surtout les responsabilités en cas de manquement que les participants attendent le plus. La responsabilité du commandement.
où on dit le chef aurait dû comprendre et censé connaître que le subordonné devait aurait dû connaître, et mais quand même il a laissé faire. Ces sessions de formation en droit international humanitaire des forces armées entrent dans le cadre de la divulgation de la Convention de Genève de 1949 à laquelle le Burkina Faso a souscrit. Une nouvelle infrastructure sanitaire pour l'armée, il s'agit de l'infirmerie consultation famille qui a été inaugurée hier à Bobo-Dioulasso dans le cadre des activités commémoratives du 54e anniversaire des Forces armées nationales. Ce centre de santé du Kangouézen Koulibaly a été réhabilité grâce à l'appui du conseil régional des Hauts-Bassins qui a contribué à hauteur de 8 millions de francs CFA. Amadou Lougué. Ce bâtiment abritait les services de l'armée de l'air. À compter d'aujourd'hui, il devient une infirmerie de consultation famille qui devrait contribuer à l'amélioration de la santé des populations. Un qui n'est pas du milieu, il a peur de franchir la barrière. Mais de nos jours, aujourd'hui, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de peur. Tout ça s'est écarté. La voie est libre, il peut accéder à n'importe quel moment, que ce soit de nuit comme de jour. Donc c'est une grande ouverture pour la population de Bobo. Je suis enchantée parce que pour atteindre là-bas, c'était un peu loin. Tandis que maintenant, c'est un peu à la porte. Et l'accès sera très facile. Il y aura des consultations par un médecin, des consultations par des infirmiers, des soins maternels et infantiles. Et nous envisageons dans un très proche avenir une consultation ophtalmo, une consultation bucco-dentaire également. La réhabilitation de ce centre de santé a été possible grâce au conseil régional des Hauts-Bassins qui a contribué à hauteur de 8 millions de francs CFA. J'espère que ce service sera très fréquenté par les populations. J'en suis déjà certain parce que avant, bien que les services soient à l'intérieur, la population fréquentait déjà beaucoup les services de santé des forces armées nationales. Et maintenant que c'est au bord de la rue, le service ne peut qu'être plus fréquenté. Nous sommes reconnaissants infiniment au conseil régional pour cette initiative qui va permettre d'accroître le niveau de prestation du service de santé. Et sachant bien que la santé est la richesse la plus précieuse qu'un homme peut souhaiter. Composé de bureaux de consultation, de salles de soins, d'un dépôt pharmaceutique, d'un centre de santé maternelle et infantile, l'ouverture de ce dispensaire viendra accroître l'offre sanitaire de l'armée et contribuer ainsi à rapprocher davantage les forces armées nationales et les populations civiles de la région des Hauts-Bassins. Santé et bien-être toujours des populations. La première dame a reçu à Genève le prix Silver Fetcher Policy Award pour son plaidoyer en faveur de la loi burkinabé contre les mutilations MGF. C'est une reconnaissance de l'engagement de Chantal Compaoré contre les MGF à travers ses actions et ses plaidoyers au plan mondial et national. C'est le 14 octobre dernier que la première dame a reçu son prix. Marguerite Douaniou. C'est le prix de la persévérance dans un combat acharné pour la dignité et la survie de la femme et de la jeune fille au Burkina Faso et en Afrique que la première dame du Faso reçoit ici à Genève ce 14 octobre 2014. Le prix Silver Future Policy Award 2014, qui salue les mérites de Chantal Compaoré pour son engagement contre la pratique des mutilations génitales féminines, plus qu'une simple reconnaissance, c'est un appel à poursuivre ce combat de longue haleine contre l'abandon total et définitif de ces pratiques traditionnelles néfastes. En acceptant de recevoir le Silver Future Police Award 2014 au nom du Burkina Faso pour la loi contre les mutilations génitales féminines, je réitère mon engagement à m'investir dans toutes les luttes en vue d'atteindre la tolérance zéro à ces pratiques néfastes. Et c'est une forte délégation burkinabé qui assiste à la remise de ce prix. Et cela n'est pas fortuit, car au-delà des actions de Chantal Compaoré contre la pratique de l'excision, c'est une reconnaissance pour la loi burkinabé du 13 novembre 1996 contre les mutilations génitales féminines. La communauté internationale reconnaît une fois de plus la justesse et la pertinence de la lutte menée par la première dame du Faso pour le mieux-être et l'épanouissement de la femme et de la jeune fille africaine. Mais pour la lauréate du jour, il reste encore un bon bout de chemin à parcourir pour l'atteinte de la tolérance zéro au MGF. Et cette distinction
est un motif d'encouragement pour le gouvernement et ses partenaires dans cette lutte, dont l'UNFPA qui a toujours accompagné Chantal Compaoré dans ses combats. La Sonabel multiplie les initiatives afin d'accroître l'offre énergétique au profit des populations. Un contrat d'achat d'électricité d'un montant estimé à près de 24 milliards de francs CFA a été signé hier entre la Sonabel et la société canadienne Wendiga. À travers ce contrat, l'entreprise s'engage à produire de l'énergie solaire qui sera rachetée par la Nationale d'électricité au profit de ses clients. Haruna Maré, Aboubakar Sayon. La société Wendiga, à travers le projet Zina Solaire SA, va bientôt produire de l'énergie au profit de la Sonabel. Les deux parties ont scellé un partenariat dans ce sens, dont le montant est estimé à 24 milliards de francs CFA. À travers cet accord d'achat d'électricité, la société Wendiga, basée au Canada, s'est engagée à fournir 20 MW afin d'accroître l'offre énergétique de la Sonabel. Nous venons de signer ce matin un contrat d'achat d'énergie avec la société Zina Solaire SA, qui est une entreprise privée. Aujourd'hui, il est important que, au regard du déficit que nous accusons en matière de production de l'énergie électrique, que nous puissions bénéficier du soutien d'autres acteurs. La convention a une durée de 25 ans. Elle est le fruit d'un partenariat public-privé dont le protocole d'accord a été signé en 2013. Le projet de Zina Solaire est le premier projet que la société Wendiga Inc. va réaliser au Burkina. Pour la direction de Zina Solaire SA, cette convention de partenariat va permettre le bouclage du financement et la construction de la future centrale, une centrale qui sera fonctionnelle dans 18 mois. L'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, l'UNPCB, a tenu vendredi dernier son assemblée générale ordinaire à Bobo-Dioulasso. Cette rencontre a permis à l'Union de mettre en place des stratégies pour être en conformité avec les dispositions de l'acte uniforme de l'OADA relatif aux sociétés coopératives. Reportage Ali Traoré. L'art vestimentaire traduit leur champ d'action. Œuvrant tous dans le secteur de l'or blanc, ils sont présents à Bobo-Dioulasso dans le cadre de l'Assemblée générale ordinaire de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs du coton du Burkina Faso. Et à l'issue de 24 heures d'échange, ils devront mettre en place des stratégies d'action en vue d'une meilleure productivité du coton. Nous sommes cette année encore ici pour rendre compte de tout ce qu'on a eu à faire pour l'année 2013. Et le programme adopté aussi de l'année 2014 que nous avons exécuté jusqu'au 10e mois. Et nous allons les présenter le programme des 3 mois qui restent aussi pour qu'ils s'imprègnent de tout ce qui reste comme activité à faire dans les 3 derniers mois. Des acquis ont été engagés par l'Union nationale des producteurs du coton du Burkina, certes, mais un certain nombre de défis se présentent au département de Karim Traoré. Nous avons l'acte uniforme de l'OADA qui est là, donc nous devons nous conformer. Et cette conformité aussi passe aussi par la mise en place au niveau des provinces, au niveau de l'État, des directions où nous devions nous conformer. Mais l'UNPCB, en tout cas, est beaucoup en avance parce que nous avons trouvé des juristes qui nous ont accompagnés dans nos textes. Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, qui accorde une attention particulière au secteur du coton, a exhorté les producteurs à redoubler d'efforts pour maintenir le Burkina Faso au rang du premier producteur africain de l'or blanc. À chaque campagne agricole, des intrants sont distribués aux producteurs par le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Des engrais et des semences améliorées sont mis donc à la disposition des paysans ciblés dans certaines régions du Burkina. Les acteurs impliqués dans cette opération se sont réunis à Ouagadougou pour en faire le bilan à mi-parcours et relever les difficultés de sa mise en œuvre. Dramane Guéné, Ernest Cambiré. Les résultats obtenus dans l'opération de distribution d'engrais et de semences pour 2013-2014 sont connus. Pour le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, plus de 20 000 tonnes d'engrais ont été mises à la disposition des producteurs
9400 tonnes de semences toutes spéculations confondues, avec 10 millions de boutures de manioc et de patates douces. C'est un peu plus de 600 000 producteurs qui ont été bénéficiaires de ces appuis. La culture vivrière de façon préférentielle, le sorgho, mil, maïs, riz, mais également certaines cultures de rente comme le sésame, le niébé et l'arachide ont pu bénéficier également des semences et des engrais également de façon spécifique pour le riz, le maïs, le niébé et le sésame. Pour 2013-2014, le contrôle de la qualité des intrants a été renforcé avec une implication effective du secteur privé dans la distribution. Nous avons décidé de mettre en place un nouveau mécanisme de distribution effectivement des engrais, dont l'objectif en fait était de gagner la bataille de la qualité. Et l'autre aspect important aussi, c'était de pouvoir accompagner les producteurs en termes d'appui conseil. De ce point de vue, l'élément clé, l'élément majeur de ce nouveau dispositif était de l'implication des experts privés. L'implication donc des privés qui devaient donc prendre en charge toute l'artie distribution, de libérer les agents pour leur permettre effectivement donc de prendre en charge cet élément que je précisais tantôt, l'appui conseil, n'est-ce pas, des producteurs. Au cours de cet atelier, les acteurs ici réunis vont évaluer les quantités distribuées et échanger sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'opération. Les techniciens du ministère des Ressources animales et halieutiques ont présenté vendredi dernier le bilan des différents ateliers organisés dans les 13 régions du Burkina. Présentation au ministre des Ressources animales et halieutiques. L'atelier était organisé à Wayugia, dans le Yatenga, où nous retrouvons Korotimi Kagone. Bilan des ateliers sur la gestion des ressources halieutiques. Les techniciens du ministère des Ressources animales et halieutiques ont dressé le bilan de leur parcours dans les 13 régions du Burkina Faso. À cet effet, le bilan est positif car les agents et acteurs de la pêche ont été informés, formés et sensibilisés. De ce bilan, il ressort que 236 personnes ont pris part à ces séances de sensibilisation axées sur deux communications. La première communication porte sur la situation de la pêche et l'aquaculture au Burkina Faso et la seconde porte sur la pêche politique comme cadre de développement et mode de gestion. Et c'est un bilan de 13 ateliers régionaux, surtout pour sensibiliser les premiers acteurs. Il ressort que c'est une activité qui est en train de prendre en vitalité, mais qui a besoin d'accompagnement. Premier niveau d'accompagnement, c'est le renforcement des capacités véritablement des acteurs pour maîtriser les techniques et acquérir les technologies. Deuxième point, il est ressorti une nécessité d'une meilleure synergie entre tous les acteurs. Débuté à Dédougou du 23 au 24 avril dernier, ces séries d'ateliers ont pris fin à Wayugia ce vendredi 24 octobre. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a participé à l'empoisonnement du barrage de Namixouma. Alors, pour en faire véritablement un secteur économique dynamique, il faudra booster la production elle-même. Donc l'élevage à travers différentes techniques de production, mais surtout l'empoisonnement de nos plans d'eau. Pour mener à bien ces ateliers dans les 13 régions, 4250 km ont été parcourus. Le ministre demande aux élus locaux, aux techniciens et à la population de jouer chacun sa partition afin que l'empoisonnement du barrage de Namixouma soit un succès. L'Agence du partenariat pour le développement APD, le Millennium Challenge Corporation et des élus locaux ont effectué le 17 octobre dernier une visite de terrain sur la route nationale 14, route Dédougou-Nouna, frontière du Mali. Une visite qui fait suite au constat de dégradation fait sur cette voie nouvellement bitumée. La délégation a parcouru les 143 km pour visiter l'ouvrage. Dans l'ensemble, il n'y a pas d'inquiétude majeure. Karim Cissé, reportage. Dans le souci de mieux protéger le bitume de la route nationale numéro 14, route Dédougou-Nouna, frontière du Mali, des aménagements connexes avaient été réalisés. Quelques mois après les travaux, certains aménagements avaient été détériorés. Une situation qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et pour éclairer la lanterne des populations des différents villages traversés par le projet, une visite de terrain a été organisé. Il y a eu effectivement des inquiétudes qui ont été soulevées par rapport à des insuffisances, des dégradations sur la voie à des endroits. Donc il y a même eu la visite du ministre. À la suite de ça, voilà, les interrogations sont toujours là. C'est prévu dans les contrats donc, du MCI et MCC que 3 ans après l'exécution donc, des routes,
Donc, on retient de l'argent avec celui qui a eu le marché pour faire face éventuellement donc, à toute éventualité, c'est le cas de le dire. De la frontière du Mali à Dédougou, en passant par le pont de Senoko, les canalisations de Djibasso, bref, la délégation a visité tous les points qui semblaient être défectueux. Dans l'ensemble, les dégradations n'ont pas affecté le bitume, comme l'avaient souligné certaines personnes. De quoi rassurer les bailleurs de fonds. Ce que je voudrais souligner est qu'on n'a constaté aucun problème avec la structure de la route, ainsi que aucun problème avec la chaussée. Ce qu'on a vu ce matin, ce sont des questions de drainage dans quelques endroits très spéciaux. Et vraiment, je voudrais souligner qu'avec l'APD, qui est l'entité post-compact d'MCA, ils travaillent ci-dessus, et ils sont au courant de tous ces endroits. Et pendant cette saison sèche, ils vont répondre dans la manière nécessaire. Cette mission a permis d'élever tout équivoque sur la situation de la RN14. Aujourd'hui, quand nous allons repartir, nous allons effectivement au sein du conseil municipal et avec la population informer les gens et les gens, les sensibiliser pour dire que effectivement ce qui avait été dit, ce n'est pas le cas. On avait abusé de nous quelque part. Sinon, en tant que tel, la voie est bien praticable. Longue de 143 km, la route de Dougou-Nouna, frontière du Mali, de par sa construction, est prévue pour une durée de 10 ans. Nous vous retrouverons dans quelques instants pour le compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTV.